Bon, salut les gens, aujourd'hui nous sommes à Voiron. Voilà, super paysage de ouf. Donc voilà, sinon derrière moi il y a Fitness Boutique parce que je suis en stage ici, c'est super beau, c'est juste magnifique. Je pense que je vais pouvoir faire un peu de montagne pour m'entraîner un petit peu en montée, c'est idéal, il y a que des bosses. Que de la montée, je suis ici depuis 3 jours, donc j'ai pas eu le temps de visiter parce que je travaille beaucoup ici, et puis en dehors de ça j'ai aussi mes trucs perso à faire, enfin bref. Donc là pour l'instant c'est boulot, dodo, sport aussi, donc voilà. Dans 2 semaines je vais faire une course de 10 km et la semaine suivante encore une autre course de 10 km pour m'entraîner sur la vitesse. Ce matin je me suis levée tôt, je me suis levée à 6h du mat comme hier pour marcher, m'entraîner, faire un peu de sport parce que je commence à 9h à la base. Donc c'est cool, l'environnement est bien, je suis pressée d'être ce week-end pour vraiment découvrir Voiron. On m'a parlé aussi de ça là, le truc qui est vraiment tout en haut, c'est une espèce de statue qui s'appelle, je sais plus comment, je crois que c'est la Louiselle ou je sais pas quoi, la Louise, je sais pas quoi. Donc du coup je pense que ce week-end en fait je vais essayer de grimper tout en haut pour aller voir la statue. Et éventuellement j'essaierai de faire des plans drone pour vous, pour vous montrer un petit peu la région et tout, parce que c'est magnifique quoi, enfin je suis choquée en fait du paysage, c'est super beau. Et voilà, nous sommes tout en haut de la montagne. Là, il y a Flavie en PLS. Et voilà, on était tout en haut. Ça, c'est fou comment ça grimpe dur. Donc les gens, je suis à Grenoble pour visiter un peu. Et ce qui est bien, c'est que ça fait que de monter. Donc je pense que les gens qui habitent ici, en fait, c'est des oufs. Parce qu'ils doivent se bouffer du dénive à chaque fois. Et du coup, ça court vite. C'est impressionnant. C'est super chouette ici. Je pense que je vais pouvoir faire des petits plans drone. Enfin, si je peux filmer, si c'est pas interdit, je vais checker ça. Et dès que je vois que je peux, je le fais voler. Parce que là, il y a une super belle vue. Alors voilà Voiron. De nuit, enfin semi-nocturne. Donc voilà, j'ai fait quelques plans drone et la nuit est tombée très très vite. Voilà pourquoi je suis toujours dans la forêt bientôt 19h. Donc là j'étais à la montagne de Vouise. Donc ça fait 735 mètres de dénivelé. Bon, salut à tous. Aujourd'hui je suis à Saint-Martin-d'Hères pour un 10 km. Et je vais pas filmer la course parce que je vais essayer de battre mon RP sur le 10 km. Par contre je vous filme un petit peu le début, c'est à 10h le départ et il y a la superbe montagne qu'on voit tout le long, c'est super joli. Et du coup je filmerai ma prochaine course la semaine prochaine, qui est encore un autre 10 km. 2 hours later. Donc voilà, les 10 km de Saint-Martin-d'Hères, c'est terminé. Je vais enlever mes lunettes, sinon c'est pas poli. Euh,
Bah, RP pour moi, ça a été chaud de passer en dessous de la barre des 45 minutes puisque j'ai fait 44 minutes et 59 secondes. Donc voilà, je suis super contente, ça veut dire que je suis en pleine forme, que potentiellement je suis en forme pour le MDS, ça qui est le plus important pour moi. J'ai pas filmé parce que je voulais, comme je l'ai dit avant, hein, je voulais taper dans mon RP. Mais par contre la semaine prochaine, les 10 km de Saint-Martin, non je sais plus, les 10 km de Moirans ou je sais pas quoi, enfin bref, les 10 km de la semaine prochaine. Et bah du coup je filmerai tout ça et puis on avait un superbe paysage durant la course avec une petite montée à un moment où on se tapait deux fois la même montée pour traverser la 4 voies. C'était une passerelle donc en fait ça montait en tournant comme ça. C'était chaud en fait, quand t'es à fond ça pique un peu. Mais sinon, à part ça, ça s'est très bien passé, c'était cool. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, les gens, aujourd'hui, je suis à Lyon pour visiter un peu. Enfin, j'ai visité hier. Aujourd'hui, je repars. Et là, c'était grosse séance au bord de l'eau, 8 fois 800 mètres. Avec 3 minutes de récup. Et là, c'est le drame. Je crois que personne s'y attendait, mais ça y est, nous sommes au stade 3 à cause du coronavirus. C'est-à-dire que les cafés, restos, tout va fermer. Mon école, tout ferme à part l'essentiel, c'est-à-dire l'essence, l'alimentation, les supermarchés restent ouverts. Mais ouais, ça fait un choc quand même. J'ai plus cours donc j'ai rien à faire donc je vais continuer à m'entraîner. Je vais rentrer parce que là je suis sur Lyon et je vais rentrer à Nantes parce que ma mère s'inquiète. Je pense qu'elle a peur que je reste coincée sur Lyon ou je sais pas trop quoi à cause du corona. Enfin bref, je pense que je vais clôturer la partie 2 de cette vidéo. De l'entraînement MDS parce que du coup c'est reporté, le marathon des sables est reporté au mois de septembre. Espérons que d'ici là ce sera mieux. Bah sinon j'en ai bien profité. Lyon c'est super grand, c'est un peu comme Paris mais en un chouïa plus petit. Et ouais c'est chouette. C'est chouette, au moins j'en ai profité avant qu'on annonce que voilà que tout est fermé, ça fait un choc. Donc voilà, du coup bah toutes mes courses sont annulées. Hein. Là ça va être la surprise quoi. Quelle sera ma prochaine vidéo, j'en sais rien. Donc on se retrouve quand il n'y aura plus de coronavirus et tout ça, quoi. Quand il y aura des courses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.